Est-ce que, selon vous, le camp Alpha Yaya était une unité de la gendarmerie ou de la police? Le camp Alpha Yaya, ça, c'est l'armée de terre. C'est une unité militaire. Tous les malfrats que vous avez eu à arrêter, vous les avez déposés au camp ou bien entre les mains des enquêteurs? Les malfrats tels que les, comme j'ai dit, les débris là, ainsi de suite. C'est la camp, on les envoie, on les met à la disposition du père à son âme, le commandant du bataillon. Oui, je veux savoir, les malfaiteurs doivent-ils être présentés aux enquêteurs ou bien ils doivent être amenés au camp pour être incarcérés? Ah, ça, c'est le devoir du chef de bataillon. Maintenant, quand ils viennent, on les met à sa disposition. C'est à lui maintenant de les envoyer à la gendarmerie pour les enquêter. Et s'ils avaient été amenés à la gendarmerie? Bon, moi, je n'ai pas compris ça. Pourquoi ils n'ont pas été présentés à la gendarmerie? Je n'en sais rien, puisque ce n'est pas à ma portée. C'était des Bérérouz, non? Qui? Bégré et son collègue, c'était des Bérérouz, non? C'est les porteurs de Bérérouz, sinon lui, ce n'est pas un Bérérouz. Il n'a jamais suivi une formation parachutiste. C'est comme chacun se portait le Bérérouz maintenant, le temps là. Mon colonel, vous avez dit ici que tous les membres du régiment portaient le Bérérouz. Est-ce que c'est à cause de ça que Bégré et autres portaient le béret rouge? Justement, je vous ai dit que quand une fois au niveau de notre régiment, et quand vous êtes détaché maintenant à partir de Camp Koundara ici, tous ces gens-là maintenant étaient en béret rouge. Voilà. Et c'est lui-même qui était le chef de ces gens-là. Voilà. Alors, tous les bérets rouges relevaient de vous, non? En tant que ministre de la sécurité présidentielle. Je vais revenir en arrière. Moi, j'ai bien dit que tous les Bérérouz ne relèvent pas de moi. Il n'y a qu'un certain noyau qui relevait de moi. Et Bégré ne faisait pas partie de ce noyau-là? Non, mais Bégré, il relève du salon. Le salon n'est pas commandé par moi. Mais le salon est commandé par le président, non? Le salon a un chef qui était le commandant Toumba. Oui, le commandant Toumba était commandé par le président, non? Bien sûr. Voilà. Et vous étiez attaché au président, non? Bien sûr. Voilà. En tant que ministre de la sécurité présidentielle, attaché directement à la présidence, chargé de veiller à la sécurité du président et de l'institution, vous n'aviez pas autorité sur ces bérets rouges? Je vous ai bien dit que moi, je n'avais pas d'autorité sur ces bérets rouges-là. Sauf ceux dont je les commandais, les trois sections. Ah, ça, c'était à part. À part de ça, les autres-là, c'était maintenant à la portée de eux. Est-ce que vous aviez ordonné que ces deux-là soient présentés à une brigade de gendarmerie? Lesquels? Bégré et son second. C'était pas à mon niveau, c'était au niveau du chef de bataillon, qui est père à son âme Diamankan. Diamankan est toujours responsable. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer les circonstances dans lesquelles ils sont morts au camp? Je ne peux pas expliquer comme ça se doit parce que je n'étais pas présent là-bas. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Mais moi aussi, j'ai attendu. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Il nous a annoncé que Degré est mort. Comment? C'est tout ce que j'ai attendu. Dans quelles circonstances? Là, je n'ai pas. Ils ne m'ont pas expliqué en profondément. Ils étaient morts le lendemain ou bien le même jour? Bon, ça, c'était après quelques jours. Hein. Quelques jours? Donc, après quelques jours, comme nous a informé, que Degré est mort. Voilà. Est-ce que, selon vous, le camp Alpha Yaya Diallo n'était pas devenu un camp de concentration et d'extermination des innocents? Ça, je n'en sais pas. Vous n'en savez pas? Oui. Des gens ont été arrêtés, sauvagement attachés, détenus dans ce camp. Ils n'ont pas été présentés à un enquêteur et quelques jours après, ils sont décédés. Est-ce qu'il y avait eu autopsie sur leur corps? Je n'en sais pas. Vous n'en savez rien.
Est-ce que vous reconnaissez être parti à l'abbé le 25 septembre 2009 avec des camions militaires? Avec mes pick-up le 26. Est-ce qu'il y avait des camions qui accompagnaient? Non, moi, je n'ai pas de camion qui m'accompagne. Mais mon colonel, vous l'avez dit hier. J'ai bien dit, au retour, comme j'étais le dernier, il y a les restants des camions. Nous, on escorte tout maintenant en venant. Voilà. Et moi, en partant, je vais avec mes pick-up et ma voiture de commandement. C'est tout. C'était des camions militaires, non? Non. Moi, je n'ai jamais... Comment je vais prendre un camion militaire? Je vais transporter qui là-dedans? C'était des camions civils? Non, moi, j'ai des pick-up. Pick-up de la présidence. Les camions dont vous parliez... Les camions dont vous parliez hier, est-ce que c'était des camions militaires ou civils? Au retour de l'abbé, on avait certains camions qui étaient à la présidence. Il y avait certains camions au niveau de la présidence. Donc c'était des camions militaires? Ah, en tout cas, c'est des camions militaires au niveau de la présidence. C'est pas difficile, mon colonel. Au retour de l'abbé. Ça, c'est pas une infraction, ça. Aller à bord des camions militaires, c'est pas une infraction. Est-ce que ces camions étaient remplis d'armements et de munitions pour réprimer la jeunesse de l'abbé qui allait s'opposer? Non. Dites la vérité, mon colonel. Là où on a été accueillis à bras ouverts à l'abbé, comment on peut aller avec les armes contre encore les citoyens de l'abbé? Les armes qui étaient sorties le 25 du camion, du magasin des armements et les munitions. Où est-ce que ces armes-là étaient parties si ce n'était pas à l'abbé? Non, moi, je n'en sais rien de ça. Vous n'en savez rien. Puisque il y a un chef qui commande, un chef armurier. Mon colonel, vous confirmez votre présence à l'abbé? Absolument. Qu'est-ce qui a nécessité le survol du territoire de l'abbé par des avions de chasse ce jour? Reprenez. Je dis bien, qu'est-ce qui a nécessité le survol du territoire aérien de l'abbé par des avions de chasse? Je veux parler des MiG, les avions de guerre. Mais généralement, si le chef d'État se déplace pour l'intérieur, si les MiG sont en bon état, des fois on peut les faire déplacer pour aller sillonner un peu, pour voir la sécurité du chef de l'État. Mais mon colonel, vous étiez allé le 26 à mission de précurseur, oui ou non? Précurseur, bien. Voilà, c'est lorsque vous vous êtes assuré que la situation était bonne que vous avez appelé le président pour lui dire qu'il peut venir, oui ou non? Nous, le matin, l'essentiel, le matin, on a dit que tout va bien à l'abbé, depuis que nous sommes rentrés à l'abbé, tout va bien. Voilà. Pourquoi le survol de ces avions de guerre à l'abbé? Il a répondu à cette question. D'autres questions, maître? Vraiment. Il n'a pas répondu, monsieur le président. Il a répondu. Posez d'autres questions. Est-ce que vous pensiez que la vie du capitaine était en danger à l'abbé? Bon, moi, je ne pense pas parce que nous, personnellement, on a été bien accueillis par la population de l'abbé. Tous nos trajectoires, on a été bien accueillis. Bon. Pourquoi tous ces contingents militaires ce jour? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous n'avez pas de réponse. Merci, mon colonel. À quelle date vous avez été inculpé par le juge des par le pool des juges d'instruction? Je ne retiens pas maintenant la date. Même l'année? Est-ce que c'est en 2022, là? Le
À quelle date vous avez été entendu par le pôle des juges d'instruction? Alors, en termes simples. Ça, c'est... Bon, je ne peux pas retenir la date, mais mon avocat peut retenir la date. Ça peut, il peut retenir D'accord. la date. À quelle date vous avez été arrêté? Arrêté? Oui, par rapport à ce dossier-là. Ou bien vous n'êtes pas arrêté comme ça? Si... Ah bon, c'était le... N'est pas en état 27, d'arrestation? Le 27. Le 27 ouais. septembre 2022. Oui. Voilà. Est-ce qu'un régime civil était capable de vous mettre aux arrêts en République de Guinée, mon colonel? Si. Est-ce qu'un régime civil était en mesure de vous mettre aux arrêts? D'abord, volontairement, moi, j'étais à Zérékoré. Je suis venu volontairement parce que dès que j'ai appris qu'il y aura le procès du 28 septembre, c'est moi-même qui a carburé ma propre voiture. J'ai dit que j'arrive et je suis venu tranquillement. Tranquillement, je suis parti voir mon avocat. J'ai dit vraiment là, c'est Dieu merci, ce procès-là, qu'on a qu'à faire là, l'ouverture de ce procès. Personne, aucun agent n'est venu me chercher chez moi. Je suis venu volontairement. Qui osait aller vous arrêter au temps du CNDD et sous le régime du président Alpha Condé? Qui osait? Mais la loi est plus forte que tout. Mais vous avez été inculpé au temps du régime du professeur Alpha Condé. Pourquoi vous n'avez pas été arrêté en ce moment? Ça, moi, je n'en sais rien. C'est parce que personne n'osait. Il a fallu ce régime-là. Est-ce que vous vous souvenez de l'imam qui est à Koza, qui a été arrêté et détenu pendant plusieurs jours au camp Alpha Yaya par vos hommes, dont la libération a nécessité le paiement d'une rançon? Est-ce que vous vous rappelez de lui? Moi, je ne peux jamais arrêter un imam parce que d'abord, j'ai un oncle qui était un imam à Zérékoré, paix à son âme. Je ne peux pas, ça foulaille. Je n'ai jamais rencontré et ses parents même sont... un petit mot à un imam. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ses parents sont là. Hein. C'est pas vrai. Discutez pas la réponse. D'accord. Posez d'autres questions. Que savez-vous de la mort du marabout tué par vos éléments à Koza? Il s'agit de M. Mamadou Yaya Diallo. Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Mm-hmm. D'accord. Est-ce que vous étiez présent lorsqu'on carburait le véhicule du président Moussa Dadis Camara à l'abbé? Je dis bien que moi, je n'étais pas présent. Nous, on était devant. Nous, voilà. On est venu les trouver. Quand on nous a appelés, nous, on s'est retournés parce que nous, on était déjà à l'abbé. Nous, on a replié pour venir voir. Saviez-vous, pourquoi il y a eu ça? Saviez-vous qu'à leur arrivée, ils ont intimidé les pompistes? Ah là, ça dépend maintenant sûrement de son aide de camp et la garde rapprochée de ce jour-là. D'accord. Est-ce que vous savez que c'est le président Dadis même qui a retiré le pistolet entre les mains de son chauffeur pour carburer son véhicule en gasoil? On ne m'a pas expliqué ça quand je suis venu. On ne vous a pas expliqué ça? Oui. Alors, est-ce que le fait pour le président d'avoir carburé son véhicule en gasoil en lieu et place de l'essence peut être qualifié de complot? Mais bien sûr, nous, on a dit que ça, pourquoi cela? Le chauffeur, après, si on doit l'attendre, parce que ça, pourquoi ça? Avec un chef d'État. Donc, après, nous, on a dit, après, si la gendarmerie n'a qu'à essayer de voir, on doit l'attendre sur le PV. Ce chauffeur-là, c'était qui? Bon, vous savez, il y avait Kareka, ou si c'était Kareka, ou, bon, je ne peux pas déterminer maintenant vraiment, parce qu'il y avait trois chauffeurs qui
qui était avec le président. Mais l'aide de camp est là, il peut bien justifier le chauffeur qui vous, était ce est-ce jour. Que vous savez c'était qui, le chauffeur? Non, moi je ne peux plus retenir c'était quel chauffeur. Est-ce que vous savez ce qui s'était passé après? Est-ce qu'il a été entendu par des enquêteurs ou par un juge d'instruction par rapport à ce complot préparé, planifié et exécuté par le président Moussa Dadis même? Moi, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien.